Là, c'est du VTT slopestyle. Slopestyle, c'est-à-dire que c'est fait dans la pente, en fait. Il y a trois critères de notation. C'est l'engagement, donc les figures les plus spectaculaires, le pilote qui prend le maximum de risques. La fluidité, donc le pilote qui va réussir le mieux ses figures, qui va être le plus agréable à regarder. Et donc ensuite, c'est l'amplitude. C'est un peu le même style que le BMX Dirt, sauf que du coup on en a des modules un peu plus différents d'eux. Donc comme on a ici le Bonheur Log par exemple, en gros c'est une passerelle en bois, ça se rapproche un peu du BMX Dirt pour les gens qui connaissent pas trop ce que c'est quoi. La piste est cool, ça va, c'est varié, donc c'est sympa, il y a les meilleurs riders français qui sont là. Donc du coup il y a quand même un bon niveau. Try.